Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors vous allez vous dire, je sais, elle est passée où sa voix? Qui est-ce qui est en train de parler? Ça fait bizarre, vous savez, quand vous vous entendez parler et que, je sais pas, c'est trop bizarre en fait, cette voix, je l'entends, mais je me reconnais pas. Ça m'a vraiment beaucoup manqué de filmer pour YouTube. J'ai été absente ces quelques temps. Alors vous l'avez pas trop vu sur YouTube parce que j'ai quand même réussi à sortir ma vidéo dimanche dernier. Mais moi de mon côté, j'ai bien vu que je n'étais pas assez présente. Et surtout que j'étais pas présente de la façon que je le voulais. Je vais me faire un petit thé. J'adore d'ailleurs cette tisane de cette marque, les deux marmottes. Trop bonne. Pour vous expliquer, on est aujourd'hui le lundi 5 décembre. Et quand on est en décembre, pour tous les youtubeurs, pour beaucoup beaucoup de youtubeurs et youtubeuses, ça sonne l'arrivée des vlogmas. Je sais pas si vous connaissez ce principe, une vidéo par jour pendant 24 jours jusqu'à Noël, comme un calendrier de l'Avent. Et c'est un concept que j'aurais vraiment trop aimé faire sur ma chaîne, c'était d'ailleurs un concept que j'avais prévu de faire sur YouTube. Mais comme vous pouvez l'entendre à ma voix, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade pile poil 2 jours avant le 1er décembre. J'ai été prise d'une grippe qui dure toujours là, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle on est le 5 décembre et je suis toujours malade. Et j'ai vraiment pas été bien du tout et c'est pour ça que finalement ça a cassé tous mes plans de vlogmas et ça m'a vraiment déprimée. Mais bon, on va se ressaisir, c'était rien, j'étais juste malade, ça arrive à tout le monde. Malheureusement, je pense que la grippe, on va presque tous l'attraper cet hiver. Soyez prêts, bon courage. Donc maintenant que je suis en train de me remettre, on va se lancer dans des weekly vlogmas. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, ce sera une vidéo par semaine en plus de la vidéo de la semaine et qui resteront bien sûr penchées sur le thème de Noël. Noël en Angleterre, je sais que c'est très magique ici, donc j'ai vraiment envie de vous montrer un max de choses. Donc c'est parti, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. On est le lundi 5, donc c'est parfait pour commencer. D'ailleurs, je posterai les weekly vlogmas tous les samedis, donc vous aurez pour tout le mois de décembre, parce que c'est pas seulement jusqu'au 24, c'est tout le mois de décembre. Vous aurez exceptionnellement 2 vidéos par semaine, une le samedi, une le dimanche. Ça fera des week-ends chargés, on adore. D'ailleurs, mon petit rituel pendant ce mois de décembre, c'est donc de regarder les vlogmas des autres. Et oui, j'adore les vlogmas, vraiment. Je fais partie de la team YouTube, donc c'est toute ma vie. Et donc là, c'est lundi soir. Il est déjà assez tard, je vais aller me coucher. Mais avant de me coucher, en buvant mon petit thé, je vais regarder les vlogmas de la journée que j'ai pas encore vus. It's the end of the year. Everywhere on TV. Couples and Christmas trees. Gift wrapping and cheese. Voilà le résultat les amis. Franchement il est super beau mais je sais pas, je suis un peu confuse. Déjà le bas là ça va pas, je pense que je vais racheter un deuxième truc comme ça pour faire plus de neige. Je sais pas, je le trouve un petit peu vide. Il y a des trous là, je sais pas, je pense qu'il me faut un peu plus de décoration en fait. Donc là je vous montre, j'ai mis un petit truc comme ça ici, je trouve ça trop mignon. Des bougies, je vous montrerai de nuit comment ça donne, ça rend vraiment trop bien. Et le sapin, je le trouve pas assez garni. Donc je pense que ce week-end, on va aller acheter d'autres décorations ensemble pour le remplir un peu plus. Mais voilà ce que ça donne. J'ai reçu un colis de chez H&M. H&M, la base, j'aime trop. Je me suis acheté une petite doudoune, on va regarder ça ensemble. Voilà, du coup, elle est comme ça. Je la trouve trop belle, elle est blanche avec de la fourrure aux extrémités, je la trouve vraiment trop canon. Elle a l'air vraiment d'être chaude. Je suis vraiment trop fan de cette doudoune. Voilà. Je vous ai pas montré mon super calendrier de l'Avent. C'est Ferrero Rocher. Donc on va l'ouvrir ensemble. Enfin, j'avais déjà ouvert bien sûr, même si j'étais malade, je m'étais pris mon petit chocolat. Mais regardez comment c'est trop beau. Donc là, on va prendre le 9. J'espère que c'est un Raffaello. J'aime trop les blancs. Ou un Ferrero normal. Yeah, un Ferrero normal. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme calendrier de l'Avent. Et si vous en avez un d'ailleurs. Peut-être que je suis encore trop une gamine pour avoir un calendrier de l'Avent. Mais franchement, c'est la tradition. Je ne me vois pas passer un Noël sans calendrier de l'Avent. It's been 1-2 months. You wanna know just how I've been.
Hello les amis, je fais une petite pause dans ce vlogmas, on est vendredi soir, il est 16h, donc je finis le travail très bientôt. D'ailleurs, je sais pas si mes cheveux ça vous choque parce que je suis pas retournée chez le coiffeur depuis que j'ai essayé de me couper ma frange toute seule. Depuis cette petite aventure ratée où j'ai essayé de jouer la coiffeuse. En fait, ça a l'air de pas choquer, c'est pas mal je trouve, donc je pense rester comme ça. Et en fait, je me suis dit qu'après le travail, j'allais peut-être en profiter pour aller continuer, du moins commencer mes cadeaux de Noël, parce que oui, on est le 9 décembre et je n'ai toujours pas commencé mes cadeaux de Noël. Enfin, j'ai dû acheter un ou deux petits cadeaux comme ça. Mais en général, je n'ai pas acheté toute la liste. Bien sûr, je ne suis qu'au tout début de ma liste des cadeaux de Noël et je suis en retard. Enfin, selon moi, c'est en retard d'acheter les cadeaux de Noël le 9 décembre. Donc, je vais vous emmener avec moi. On va aller commencer un petit peu les cadeaux de Noël ensemble, le shopping de Noël en Angleterre. Je vous emmène juste après la fin de ma journée de travail. Je retourne à mes tâches et on se retrouve après. Taking it slow, won't work in time. Song is for love, for Christmas lights. It can't be a song you sing sometimes. I need you to sing it for your whole life. So let me be your family this Christmas. And let this be the season that you've been waiting for. Let me be your family this Christmas. Give to you. Yeah, you've left me wondering just how you're feeling, and I want you to know my doubts about is real. C'est un scandale, il fait tellement froid, mais tellement froid. Ce magasin de thé là, si vous voyez cette marque, si vous venez en Angleterre, ils ont du super bon thé, marque anglaise de thé et de café, et ils sont super bons. Entre des courses, j'ai refait quelques petits achats de Noël et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour mon sapin. J'ai acheté juste deux petits trucs en plus parce que je trouvais qu'il n'était pas assez garni. Donc déjà j'ai racheté des boules comme ça, j'ai craqué dessus, j'ai trouvé trop mignonne. Donc c'est des boules en fait transparentes et à l'intérieur vous avez des petites feuilles de houx avec de la neige, de la fausse neige. Voilà, donc j'en ai acheté trois comme ça. Et j'ai acheté aussi des petits sujets comme ça. C'est des petits soldats, je les trouve trop mimes. Le focus, là, voilà. Des petits soldats comme ça. Je vais ajouter donc au sapin, c'est tout. Sinon, j'ai fait des achats de Noël pour mes cadeaux. Donc bien sûr, je ne vais pas vous montrer dans la vidéo parce que j'ai des proches qui regardent les vidéos. Et donc, je ne veux pas qu'ils voient bien sûr ce que j'ai acheté. Il y a autre chose que j'ai acheté aujourd'hui que je voulais vous montrer dans ce vlog. C'est ça. Les Mince Pies. Alors je sais pas si vous connaissez, mais c'est clairement le gâteau traditionnel ici que tout le monde mange pour Noël. Vous en trouvez partout au supermarché et aussi dans des boulangeries. En fait, ce sont juste des petites tartes sucrées de pâte brisée avec à l'intérieur des fruits confits et des raisins. Et c'est vraiment trop bon. Regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Donc voilà. Purée, mais à chaque fois, il y a des trucs qui tombent dans mes vidéos. C'est incroyable. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est une petite tarte très sucrée et à l'intérieur c'est fourré avec des fruits confits, c'est juste trop bon. Je sais, pour une fois qu'il y a un truc qui est bon ici en Angleterre, niveau nourriture, c'est incroyable, donc je veux le partager avec vous. Et donc à l'intérieur c'est comme ça, voilà, c'est une espèce de confiture de fruits confits, mais c'est vraiment très très compact en fait, c'est pas liquide. Voilà pour la petite découverte culinaire de Noël au Royaume-Uni. Si vous venez ici à Noël, vous devez absolument tester ça et pourquoi pas en ramener en France pour faire goûter à vos proches. Je vous remontre. Les amis, on est donc sur une fin de vlogmas numéro 1. C'était vraiment super sympa de vous montrer un petit peu ma semaine ici au Royaume-Uni. Bon, il n'y a rien eu d'exceptionnel à vous montrer, mais j'ai vraiment beaucoup aimé partager quelques moments avec vous et vous vloguer mes journées. J'aime beaucoup ce concept de tout filmer, de tout montrer à Noël et de vous sortir plus de vidéos, d'être dans un mood un petit peu plus magique. J'adore. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me laisser un pouce bleu. Activez la cloche pour les prochaines vidéos et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Mais honnêtement, je pense que c'est fait. Et on se retrouve donc la semaine prochaine dans le vlogmas numéro 2. Et on se retrouve normalement aussi demain dans la vidéo de la semaine. Je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée, une belle journée, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Bye guys!